J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour résoudre les problèmes de démarrage de Windows 10. Comme vous le voyez, il démarre plus du tout. Donc, c'est suite à une mauvaise manip. Pour résoudre ça, de toute façon, que ce soit une erreur comme ça, donc où ça fait le même écran ou où il démarre pas du tout, ça vous fait un écran bleu. Vous l'éteignez. Comme ceci. Ensuite, vous allez rallumer. Donc n'importe quelle marque, hein, que ce soit un Asus, comme ici ou quoi. Et là, vous allez attendre que la petite roue apparaisse. Juste en dessous du logo. Et là, vous appuyez tout de suite sur le bouton on-off de votre ordinateur. Voilà, donc ça va faire que Windows va considérer ça comme un problème de démarrage. Il va pas pouvoir accéder à l'OS, donc Windows 10. Je pense que ça marche aussi sur les autres Windows. Mais bon, là ici, je vais prendre l'exemple de Windows 10, comme ça, il n'y aura pas de problème. Ensuite, vous rallumez. Ça ne changera strictement rien. Alors ensuite, vous avez 4 options pour moi. Certains en auront plus, mais je pense que celle qui est commune à tout le monde, ça sera dépannage. Enfin, il y en a d'autres qui sont communes, mais vous prenez celle-là. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous avez réinitialiser ce PC. Donc là, vous allez réinstaller Windows, ou vous pouvez conserver vos fichiers. Ou faire une réinstall complète, enfin une réinstall avec aucun fichier, donc propre, une réinstallation propre. Si vous n'avez pas de fichier important, vous pouvez faire ça. Et si vous avez fait des sauvegardes en fait de votre système, donc par exemple avec des logiciels qui vous proposent d'en faire une, vous allez aller dans restauration du système. Donc attendez, je vais vous remontrer comment on fait. Vous allez dans options avancées là, ensuite restauration du système. Donc là, il va démarrer l'utilitaire de restauration de système. Vous allez arriver sur cette petite page. Donc vous faites suivant. Et là, donc j'ai fait les applications quand vous installez certaines choses. Des fois, elles créent des fichiers de restauration de système. Donc, si vous permettra, donc si vous avez un problème, n'hésitez pas à revenir à cette date-là. Moi j'ai déjà essayé de restaurer avec la dernière que j'ai faite, mais en fait elle était après, là où je pense que le problème est intervenu. Donc je vais prendre celle qui est juste avant. Donc voilà pour cliquer dessus. Si vous n'en avez pas, bah, malheureusement faudra réinstaller Windows. Vous pourrez sauvegarder vos fichiers. Avec le disque dur, il y a des utilitaires pour ça. Après c'est à vous de renseigner là-dessus, je pourrais pas vous renseigner plus. Je mettrai peut-être quelques petits liens, mais là-dessus il y a plein de vidéos sur Google ou même des tutoriels pour pouvoir vous renseigner. Donc là je vais prendre celui-là, donc du 4 mars. Voilà, hop, je rince, je prends celui-là. Voilà, donc il fait un petit récapitulatif qui vous montre le point de restauration. Vous faites terminer. Voilà, il vous met le message d'avertissement. Je vais faire oui. Donc là, il va préparer la restauration système. Ça prend un petit peu de temps.
Mais vous inquiétez pas s'il ne fait rien pendant un moment. Donc vous le laissez faire. Vous partez, je sais pas, vous allez faire ce que vous avez à faire. Mais vous touchez pas à votre PC, vous l'éteignez surtout pas. Parce qu'elle ne peut pas être arrêtée. Donc vous ne touchez à rien et vous en allez. Voilà, donc moi je vais faire une petite pause ici et on reprend juste après. La restauration système c'est terminé. Donc j'ai aucune idée de savoir si ça va fonctionner. Parce que là je suis dans le même cas que vous. Donc je vais cliquer sur redémarrer donc. Et puis j'espère que ça va fonctionner parce que je suis dans le même cas que vous là, je sais pas du tout si ça va refonctionner. Bah dans l'absolu c'est censé fonctionner puisque c'est une astuce qui a fonctionné plein de fois. Mais on va voir ça ensemble de toute manière. Donc je fais pause et je reviens si ça a fonctionné. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il a redémarré complètement. Donc hop, je passe mon petit doigt, hop, voilà, c'est bon. Julien Dupe. Qu'il est un petit peu lent à démarrer, mais bon, en même temps, j'ai installé pas mal de trucs dessus, donc ça devient normal. Oui, je tiens à dire aussi ça, c'est que selon les personnes, ça pourra varier le temps de restauration système. Moi, ça m'a pris à peu près 15-20 minutes, quoi, tout au plus. Sachant que moi, j'ai pas plus de 500 gigas dessus. Donc, ça a pas pris trop de temps. Ça peut prendre une heure aussi, hein. Ça dépend de tout ce que vous avez. Hein. C'est vrai que ça serait con de tout perdre si vous avez par exemple 3 Tera de données. Ça serait vraiment bête. Donc, en tout cas, j'espère que ça aura fonctionné chez vous. Donc, pour Windows 7, 8, je sais pas si Windows 8 ça fonctionne comme sur Windows 10. Bon, je vous conseille d'essayer. Comme j'ai fait moi. En tout cas, je vous mettrai des liens dans la description quand même pour que vous puissiez vous en sortir, même si vous êtes pas sous Windows 10. Vous aurez des liens vers des vidéos d'autres youtubeurs ou même des sites, des forums, des choses comme ça. Qui redémarre pas, qui fonctionne plus correctement. Je pense que c'est qu'une question de temps. Bon, du coup, je refais une petite pause et s'il redémarre pas, je vous tiendrai au courant. Voilà, donc je refais une petite pause et je reviens après. Voilà, donc il s'est remis. Donc, ce que je vous conseille de faire, moi il était un petit peu lent. Enfin, il y avait un écran noir avec la souris en plein milieu. Donc, j'ai fait contrôle. Donc, vous faites la touche contrôle. Alt et Supre, donc la touche Supre ou Del, ça dépend de votre type de clavier. Donc ça va vous afficher un écran avec la couleur. Vous allez sur gestionnaire de tâches et donc ça va l'ouvrir et ça va forcer Windows à s'activer. Bon, moi faut savoir en tant que j'avais déjà quelques problèmes à cette période-là, donc avec des petits virus, des choses comme ça. Parce que je fais des choses pas très voilà quoi, donc. Et puis donc ça a fonctionné, je pense qu'après un petit redémarrage ça ira mieux, un petit nettoyage aussi. Puis voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Donc en tout cas si vous êtes pas sous Windows 10, je vous mettrai des liens, voilà, vous inquiétez pas pour ça. Pour ceux sous Windows 10 ça a pas fonctionné, ou vous avez pas de point de restauration du système, bah, malheureusement il faudra réinstaller et relire Windows 10. Et vous pouvez installer Windows 10, mais à vous garder, garder vos fichiers, vos dossiers et tout. Donc, je crois qu'il y a une option comme ça, vous pouvez faire une réinitialisation de Windows 10 avec. Donc, vous pouvez garder vos fichiers. Donc, je vous conseille de faire ça si ça n'a pas fonctionné. Et puis voilà quoi, donc j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt à une nouvelle vidéo et voilà. Encore heureux de vous avoir aidé.